Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour un petit haul et tout, ça fait un peu longtemps. Oh, on est en été, on se laisse vivre, le corps respire, on montre comment on est bronzé, comment on est caliente, comment on est choco, comment ça... Oh, ça coupe et ça décale. Donc, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pandira. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner parce que tu attends quoi en fait? Clique sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant lorsque je poste du contenu. Bienvenue sur ma chaîne, ici c'est la joie, le respect et la bonne humeur. Donc si tu es prêt pour le haul, on se retrouve tout de suite après le générique. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Nous revoilà, donc nous sommes en pleine période des soldes, nous sommes en pleine période d'été. Bon, après sur Chine, et solde ou pas solde, il y a toujours des codes promo, il y a toujours un petit coupon par-ci ou par-là, donc c'est pas tellement cher. Donc j'ai fait une petite sélection de robes et tout ça, et puis on va voir ça ensemble. Vous allez me donner votre avis, je vais vous donner mon avis, tout en pleine sincérité. Et puis on continue. D'accord? Let's go. Surtout qu'on a en été, maman. C'est le temps de mettre en exposition le teint. Tu vois comment tu as chambé le teint tout l'hiver. La crème à doser. Le gommage à doser. Tu shines. Franchement, tu utilises la gamme de chez Royal Crush. Mais que demander au monde? Que demander de plus? Tu shines, tu es belle. C'est le temps de montrer les formes. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc la première tenue, c'est une longue robe marron comme ça. Un marron très très chaud, moi je kiffais. Franchement, cette robe, j'ai trop trop mais trop aimé. J'ai aimé la longueur, c'est dos nu, ça laisse entrevoir le dos. Donc c'est toujours très important de gommer le dos. Hein? C'est toujours, on gomme souvent devant, mais il faut aussi demander à quelqu'un de te gommer le dos. Comme ça le dos aussi soit, comme ça le dos aussi, le dos shine en fait. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on oublie souvent le dos? Oh! Donc voilà, longueur parfaite, niveau qualitatif, ça va, c'est une matière comme du côtelé, zéro transparence. Franchement, Chine, ils font des efforts, je pense qu'ils prennent en compte les avis de toutes les youtubeuses et tout ça, les youtubeuses mode. Franchement, zéro transparence, longueur parfaite, niveau qualité, j'adore, j'ai rien à dire. C'est un dos nu, donc on est dans une robe qui moule le corps, mais sans vulgarité. On est très élégante et on est assez confortable là-dedans. Moi, j'ai pas eu de soucis, je marche très bien vu qu'elle est longue, mais je marche parce qu'il y a des longues, il y a des parce qu'il y a des robes longues et après tu as du mal à marcher, mais bon, je marche, fais bien des pas, il n'y a pas de soucis. Et que dire? Si je devais donner une note sur cette robe, j'irais plutôt pour un 9 sur 10. Franchement, un 9 sur 10, c'est l'un de mes coups de cœur de cette commande. Je n'ai rien à redire. C'est bien pour l'été, le soleil, la plage, un petit brunch, sortie entre filles, en bas à la plage, les courses sous le soleil. Ça va avec tout en fait. Et puis tu l'accessoirises comme tu veux. Tu peux mettre des bijoux, des boucles, enfin ton maquillage. Vous savez que les accessoires vont avec tout. C'est l'accessoire qui vient réveiller la beauté de la tenue aussi. On met ce qu'on veut du moment qu'on se sent à l'aise là-dedans. C'est le plus important. Tu accessoirises comme tu veux. Une escarpin, non pas une escarpin, une sandale à talons, une mule, une pieds nus, une petite babouche. Tranquillement, tranquille, tu attaques le dehors. Tu mets ton chapeau de paille. Mais qu'est-ce que c'est? Cocktail à la main. Voilà, chérie à côté. Tenue suivante. Alors, la tenue suivante, c'est une robe comme ça. Une sorte de, je sais pas, je dirais peau de serpent. Mais très, très élégante. J'ai vraiment aimé la manière dont elle épouse le corps. Moi, il faut savoir que depuis ma maternité, j'ai gardé un peu de ventre. Oui, j'ai pas pris soin de mon ventre, bref. Mais que ça ne tient, moi j'aime mon corps, j'ai pas de complexe ou quoi que ce soit. Je kiffe, mais vraiment kiffer. Donc, si t'as un petit complexe avec ton ventre, tu mets un petit short collant, gainant, et puis tu attaques le dehors. Arrêtez de nous stresser pour rien. On met la gaine et puis on avance. Très très belle robe. En dessous du genou, comme vous le voyez très bien en vidéo. Très très élégante.
collier. Vous avez vu comment les bijoux, j'ai agencé les bijoux et tout, et ça donne. Tu mets une belle sandale. Ça, escarpin, ça va faire trop ingénieux, ça va faire lourd, ça va alourdir en fait la robe. Tu mets une sandale et puis c'est parfait. Ça, c'est bien pour les soirs d'été là. Tu vois, il y a un petit vent. Il fait pas froid, il fait pas chaud, mais il fait caliente. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu comprends? Il fait, voilà, mou bien. Tant bien. Je ne sais pas tant bien ce que ça veut dire, mais bon, il y a longtemps j'ai laissé l'école. Donc, très très belle robe pour les soirs d'été. Niveau qualitatif, j'aime, c'est le tissu, il est fait comme un peu le maillot, mais pas vraiment comme le maillot, mais il s'approche vraiment du maillot. Et niveau transparence, comme je vous dis, on n'a vraiment pas un problème de transparence avec cette deuxième robe. Donc si je devrais noter cette robe, je donnerais un 9 sur 10. On se retrouve tout de suite pour la robe suivante. Alors, la robe suivante est une robe d'une élégance. Franchement, moi, sur moi, enfin vous allez voir et puis vous allez donner vos avis et vos notes. Sur moi, je trouve que cette robe est élégante. Elle est classe. Donc on part sur un col bardeau. Donc qui prend comme ça, qui épouse, qui met en avant le décolleté sans le creuser, mais plutôt le haut des épaules. C'est très très élégant ce genre de col, très très classe aussi, très belle robe en dessous du genou. Donc pas avant le genou, pas après, pas en dessous, pas très loin dans le genou, juste le juste milieu en fait, la longueur parfaite. Et moi je la trouve trop trop belle. Je la porterai très bien pour un date. Je la porterai, par contre c'est pas pour aller à la plage ça, je la porterai pour sortir, pour un rendez-vous avec des amis. Bref, je la porterai très 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 beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup. Bref, vous avez compris, c'est l'un de mes coups de cœur de cette commande. J'adore, je n'ai rien à dire en fait, tellement je kiffe. Et en plus ce genre de robe me vend beaucoup. Et le point positif, vous savez, nous qui avons un peu de bidoche là, quand il y a le drapé, quand la robe est drapée comme ça, ça a un effet drapé, ben ça camoufle un peu la bidoche, ça n'accentue pas le regard sur la bidoche. Donc que demander de plus au monde en fait. Merci Chine. Alors niveau qualitatif, elle est lourde, donc pour vous dire que la qualité y est. Et zéro transparence, il n'y a pas de transparence. Chine, qu'est-ce qui se passe? Ah! On aime, on kiffe. Alors, si je dois mettre une note, c'est mon premier 10 sur 10 pour cette commande. On se retrouve tout de suite pour la robe suivante. Alors, la robe suivante, c'est celle-là. Un orange, mais qui va tellement au teint. Mais franchement, j'ai kiffé. C'est aussi l'un de mes coups de cœur. J'ai adoré. Devant, elle monte comme vous le voyez en vidéo. Mais derrière, ça laisse un dos, mamma mia. Mais on voit le dos. Elle est près du corps. Franchement, même moi qui ai la bidoche, je me trouve sexy. Même moi qui ai le bidon là, le bidon de 5 litres, je me trouve magnifique dans cette robe. Une sandale blanche, un petit sac ou une petite pochette blanche. Oui, il faut faire ressortir le blanc de la robe. On peut casser avec des boucles blanches aussi. Si c'est toi qui vois, fleurs comme ça, c'est l'été en fait. Donc, que dire? Elle est parfaite. Type de tissu, c'est, on va toujours dans le tissu maillot de bain. Je n'ai rien d'autre à redire. Niveau transparence, ben, il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas de transparence parce que... surtout que quand on parle de transparence sur Chine, frère, quand tu es loin comme ça, on voit la coucounette, on voit l'entrejambe et tout ça. Et moi, j'ai pas ce souci avec celle-là. Bon, après, on est en été, donc ça, c'est des robes du soir parce qu'il y a un peu de vent. Si tu pars en vacances, si tu es au bord de la mer, donc il y aura un peu de vent, donc d'où le manche longue. Mais le tissu, il est vraiment, vraiment léger. C'est vraiment pour le soir. Hein. Franchement, si tu le prends et c'est en été, c'est vraiment pour les soirs d'été. Tu vois, vous avez fini de faire je sais pas quoi à la plage, vous êtes amusé, jet ski, bref, tout ce que vous avez fait, tu rentres, tu te fais belle, tu es avec B, pâté, dîner, tu chopes cette robe, belle sandale. Il tombe amoureux, il te demande un mariage. Bon, si vous êtes déjà marié, il renouvelle les vœux. Ou quand vous allez rentrer, il te fait un autre bébé. La vie, c'est les gigas. Donc si j'ai une note à donner, ce sera un 9 sur 10. Et vous, quelle note vous donnez? On se retrouve tout de suite pour la robe suivante. Alors, la robe suivante, c'est toujours orange. Vraiment, petite, petite robe. Ça, c'est vraiment la basique, basique, petite robe.
flemme de chercher, flemme, tu veux être à l'aise, il fait trop chaud, tu es énervé, on t'a stressé par-ci, par-là, c'est le week-end, c'est vendredi, tu viens de rentrer du boulot, tu veux pas, mais tu veux sortir, mais tu veux pas non plus te charger, tu veux pas une longue robe, tu veux quelque chose où tu es à l'aise et confortable, c'est cette robe-là. Franchement, moi j'ai kiffé cette robe, par contre on aurait un petit souci de transparence, mais moi j'ai pour habitude de toujours avoir un cycliste en dessous, un cycliste noir en dessous de tout, dans ma petite gaine quoi. Donc voilà, mais sinon c'est pas transparent de ouf, mais je vous conseillerais de bien de mettre un cycliste en dessous. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Après il y a des crazy, elles font ce qu'elles veulent en fait. On est grande, you know. On est grande. Donc voilà, longueur ça va, c'est sexy, c'est mimi, il fait chaud. Chapeau de paille, cocktail à la main, chérie à la main. Tu shine bébé, tu shine. Petite pied nus, petite sandale, tranquillement tranquille, petite compensée, ton sac. Tu attaques le dehors, toujours avec des petits accessoires, ta paire de lunettes, ton petit gloss. Franchement, t'as pas besoin de ta lourde. Non, simple. Les choses simples sont toujours magnifiques. Si j'ai une note à donner, ce sera un 8 sur 10. Et toi? On se retrouve tout de suite pour la robe suivante. Alors, la robe suivante, c'est une robe comme ça. Manche longue, vous l'aurez compris. Moi, j'adore le jeu de couleurs. J'ai vraiment kiffé le jeu de couleurs. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit, merde, elle est très magnifique. Et la fille qui portait cette robe était d'une beauté, mais elle avait surtout, son corps mettait vraiment en valeur la robe en fait. J'ai dit, il me la faut maman. C'est vrai qu'on n'a pas le même corps, mais écoute, chacun ses bails, chacun son délire, chacun son niveau. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? À cause de quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, c'est toujours une robe en été. Mais les soirs d'été, en journée, tu vois, il fait chaud. Écoute, il fait 30 degrés, 35 degrés, tu vas pas mettre ça. Quoique le tissu, il est léger. Mais c'est bon, quoi. Tu n'as pas, c'est pas toi le barbecue. C'est pas toi la viande qu'on va mettre sur le barbecue. Tu vas pas cuire. Donc, ça, c'est vraiment pour les soirs. Vraiment les soirs d'été. D'accord? Vraiment les soirs d'été. Visite dans la ville où vous êtes. Il y a un peu de vent. Il y a la plage. Tu as froid. B, il n'a pas des vestes aussi parce que c'est un courageux. Il dit que c'est l'été, donc si tu es toute nue là, qui va te donner la veste? Tu vas mourir de froid. C'est de ça qu'il s'agit. Donc très très belle robe. Niveau tissu, le tissu c'est plutôt comme un style coton. Donc c'est pas du côtelé ni effet maillot. C'est plutôt une espèce de coton et tout ça. Longueur parfaite. Il n'y a rien à dire. Petite fente sur l'arrière. Niveau transparence. Juste un peu, mais à cause du jeu de couleurs, je pense qu'on verra pas grand chose en fait. On verra vraiment pas grand chose à cause du jeu de couleurs et tout ça. On verra vraiment pas grand chose. Maintenant, si tu as vraiment un souci, vraiment un gros souci, parce que même moi qui suis un peu, voilà, un genre compliqué et qui met toujours de cycliste, là je mettrai pas de cycliste. D'accord? Donc ça te donne un peu une idée de la robe. Maintenant, si je dois donner une note, ben, ce sera un 9 sur 10. On se retrouve tout de suite pour la robe suivante. Alors, la robe suivante, c'est la robe que je porte actuellement. Donc, vous voyez vous-même, le drapé, une robe très, très élégante. Elle est sexy, hein. Franchement, j'aime la façon dont le col j'aime la façon dont le col tombe de devant. J'adore les détails du dos. Franchement, plus le temps passe, plus je m'ouvre à d'autres choses. Je n'étais pas quelqu'un qui portait énormément de robes. J'étais vraiment... Moi, je suis très carrée dans les vêtements. Je me suis découverte un style, mon amour pour les blazers, femme très, très, très classe, stricte et tout. Et là, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Donc, je vais vers de nouvelles choses. Et j'adore. Et je kiffe. Et je m'aime avec ce genre de style. Après, c'est pas tout le monde qui peut kiffer. Hein. Tout le monde ne peut pas aimer. Mais bon, du moment que tu es à l'aise dans ta peau, tu es à l'aise dans ta tenue, c'est le plus important. Parce que voilà, la majorité des avis externes, c'est vrai, il y a des avis externes constructifs, mais la majorité sur 85%, sur 100%, 85%, c'est pour te détruire. C'est le cœur noir en fait. Donc voilà, très belle robe. On a une fente sur le côté. Le dos, il est ouvert. Très élégante, très sexy.
pas vulgaire du tout, très posée, longue. Donc c'est à toi, c'est à ta convenance. Moi je suis courte et puis sans sandales, elle était un peu longue. Mais avec sandales, ça tombe parfaitement bien. Pour les grandes, elle sera un peu sautée, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Bon après, il y a des très très grandes qui n'aiment pas voilà, que les robes soient sautées ou quoi que ce soit. Mais sinon, elle est là, le niveau longueur pour moi, ça me va, sachant que je fais 1m58. Donc voilà. Côté qualitatif, ben, c'est effet maillot, le type de tissu effet maillot. Et niveau transparence, ça va. Vraiment, pour moi, ça me dérange pas, ça va. Mais je mettrais, par sécurité, je mettrais tout de même un cycliste. Voilà, donc pour te dire, il n'y a vraiment pas de transparence, mais bon, comme on ne sait jamais, je mettrais quand même un cycliste et tout ça. Mais pas à taille gainant parce que c'est creusé dans le dos. Donc si tu mets gainant, maintenant on va dire que la villageoise l'a porté quoi comme ça. Un gars le croc à le sang. Voilà. Bref, si je devrais donner une note à cette robe, on ira pour un 10 sur 10. Tellement j'ai kiffé. J'ai vraiment aimé cette robe. Je trouve que ça me met vraiment bien en valeur, que ça matche avec mon teint et je suis heureuse. You know? Donne ta note, on se retrouve tout de suite pour la tenue suivante ou l'article suivant. Alors, l'article suivant, c'est une jupe. Franchement, je voulais trop une jupe. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Oui, je sais, c'est trop de foufou, mais c'est trop joli. Je me suis vue dedans avec un body blanc. Oui, un body blanc. En plus, j'avais acheté, je pense, dans mon précédent haul, il y avait un body blanc foufou. De toute façon, je n'avais pas porté, j'allais juste présenter comme ça parce que je ne voulais pas le salir avec mon fond de teint. Un body blanc comme ça. Une sandale ou une escarpin blanche. Une pochette blanche. Des boucles roses. Une coupe comme ça, frère. Frère, le look, je l'ai dans ma tête en fait. Le look, il est trop choco. Je ferai une photo avec et puis je mettrai sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram, c'est Pandira officiel. Je commence à mettre des looks là-bas, un peu. Hein. Et j'ai un nouveau concept où je marche au ralenti avec, des tenues. Moi, j'appelais ça Moïse. Je marche. Moïse marche. Donc, je marche et puis on voit la beauté, la couleur de la tenue, etc. Donc, ajoute-moi sur Instagram, c'est Pandira officiel. Donc, voilà. Foufou comme ça. En bas, c'est de l'organza. Parce que l'organza, c'est pour donner la forme et tout ça. Donc, pour maintenir la forme. Après, on a de la tulle. Très bien doublée. Parce qu'il y a 3 jupons, je pense. Donc, on n'a pas un souci au niveau de la transparence. Niveau qualitatif, j'adore. J'avais pris une taille M. Et parfait. Elle taille parfaitement pour moi. Bon, de derrière, elle est un peu courte. Mais pas courte. Ouh, juste un peu courte. Après, je préviens juste au cas où il y aura des filles qui vont vouloir la prendre. Donc, voilà. Pour moi, cette jupe, c'est un 10 sur 10. J'ai trop kiffé. Je la voulais. Je l'ai eue. Elle me va à merveille. Tenue suivante. Alors, dernier article, c'est un pantalon. Comme ça. Façon taille 10 ou je ne sais pas. Bref, vous aurez compris. Je ne maîtrise pas. Très, très beau pantalon. Il y avait ça à l'époque. En fait, quand je l'ai revu, j'ai pensé à l'époque, avant de ma jeunesse là-bas, il y avait un style de pantalon comme ça et je l'ai tout de suite voulu. Ça fait taille haute. Donc voilà, moi je l'ai porté avec un petit top blanc. Vous portez avec un top. C'est plutôt top blanc qui le mettrait très bien en valeur. Ou encore cette petite couleur ici. Donc niveau qualitatif, bah, c'est un pantalon moulant. Hein, donc un brou! Donc voilà, niveau transparence, un peu. Niveau transparence, un peu, mais bon, pas de quoi déranger en fait. Pas le genre, vous savez, il y a le genre de collant là. Il y a le genre de leggings là, très transparent. On voit la culotte en dessous. Non, je pense pas qu'on aurait ce genre de souci avec ça. Donc forme pâte d'éléphant et tout ça. Et que dire de plus, niveau qualitatif, ça va. Ça taille très bien. Et je l'ai pris en taille. Ce genre de choses, je prends généralement taille S. Parce que taille M, on ne sait pas sur quel tissu tu vas tomber. Souvent, après, tu as des tissus qui sont moulants. Mais après, au bout de la journée, ça lâche. Donc, on évite. Une note sur ce pantalon, ce sera un 9 sur 10. Donc, ce sera un 9 sur 10.
Alors, c'est la fin de notre haul. C'est la fin de cette petite commande. Il y aura un autre haul qui arrivera. Je suis plutôt satisfaite de mes achats et j'espère que vous allez kiffer les pièces, que vous allez aimer. Je mettrai les liens en barre d'information, ne vous inquiétez pas parce que c'est toujours ça qui revient. On dira les liens en barre d'information. Je sais, je m'habitue au fur et à mesure. J'ai pas encore tous les réflexes d'une youtubeuse mode et tout ça, mais bon, il y a un nouveau concept qui va arriver. Je vais vous montrer, il y a un autre qui va arriver où je vais vous montrer tous mes ensembles blazer. Bon, après, c'est des ensembles blazer qui datent, mais je vais vous montrer si vous pouvez aller rechercher les similaires sur internet. Je vais vous montrer les couleurs, qu'est-ce que ça donne sur moi. Et puis voilà, si ça peut vous inspirer, ben, je serai très très contente. Ben écoutez, ravie d'avoir été avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mode, story time, haul, drôle, voilà. C'est faites comme chez vous. On se parle ici avec respect parce que le respect, c'est la base de toute chose. Une femme, même si tu as été mère, même si tu es maman, même si tu es mariée, tu te dois toujours de garder la forme. C'est pas forcément pour ton mari, hein, mais c'est pour ton estime et pour ta confiance en soi. Fais-toi belle, profite de la vie, on n'a qu'une seule vie, d'accord? On n'a qu'une seule vie. Vie, fais-toi belle, tu as des imperfections comme tout le monde. Sers-toi de tes imperfections pour en faire la chose qu'on va le plus aimer chez toi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, que Dieu vous bénisse, à bientôt.